Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Vas-y, ce mongolien. Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est vrai que c'est pas une vidéo comme les autres. Je suis en compagnie de Steven. Il y a son Insta, il s'affiche juste en bas, vous pouvez le rajouter. Malheureusement, le reste de l'équipe n'a pas pu venir parce que Bâtard il s'est cassé le pied, Eddie il travaille et Soso il avait un truc à faire, donc du coup on est que tous les deux. Aujourd'hui, on se retrouve avec un vélo. Pourquoi avec un vélo? Parce qu'on est dans un endroit où beaucoup de gens font du vélo justement. Et c'est un terrain, vous voyez, assez rugueux, là où il y a beaucoup d'arbres, tout ça. Et la dernière fois, en me baladant et en faisant du vélo, j'ai trouvé un truc qui est très grave, un truc où les gens peuvent se blesser et même peuvent mourir selon comment ils le prennent, tout ça. Donc là, on va y aller, on va se rendre sur place, on va voir le piège en question et on va faire en sorte que la personne qui a mis ce piège soit punie et qu'on puisse le retrouver justement. Donc c'est parti, à de suite. Comme vous pouvez le voir, une corde en métal tout le long. Et la dernière fois, j'ai failli me la prendre. Et c'est pour ça que je reviens ici faire une vidéo, parce que c'est ouf quand même. Parce que le but de cette corde, en fait, c'est de blesser les gens. Steven, il va prendre le vélo, il va descendre le petit chemin là, et vous allez voir à quel niveau la corde arrive. Voilà, hop, et regardez où elle arrive. Elle arrive ici. Donc nous, ce qu'on va faire, parce que je suppose que cette personne vient régulièrement ici, parce que déjà, de une, le câble est changé vu qu'il est neuf. La dernière fois, c'était pas le même câble, moi, quand je suis venu. Donc déjà, c'est que la personne, elle revient mettre le câble. Donc nous, ce qu'on va faire, frérot, c'est qu'on va enlever ce câble avant que quelqu'un se le prenne, parce que c'est très dangereux. Et on va rester la journée ici. On va attendre. On va voir si la personne en question revient. Et si elle ne revient pas aujourd'hui, on reviendra demain. Et si elle vient le changer, on l'attrapera et on va lui demander des explications, parce que c'est pas normal. Voilà. Voilà. Donc c'est assez bizarre. On va l'enlever. Regardez comme c'est serré, quoi. Il y a un nœud. Le mec, c'est un pervers. Le mec qui fait ça, c'est un fou. Le câble est assez voyant. Mais quand on arrive en vélo avec la vitesse et tout, on s'en rend pas forcément compte. Dommage qu'on filmait pas. Tout à l'heure, on a vu une personne passer ici. Il s'est juste baissé, il est passé. Il s'est même pas dit je vais l'enlever. C'est ça qui est fou. On va le mettre dans la voiture. On va revenir ici. On va se poser avec la caméra. Et dès qu'on voit un comportement suspect ou dès qu'on voit un mec remettre du câble ou n'importe quoi, on interviendra à ce moment-là. Les gars, là, je suis à l'endroit précis où le mec il a tiré le câble. C'est cet arbre-là, à cet arbre là-bas. Hein. On a enlevé le câble. Je vais vite me cacher avec le caméraman. Et on va attendre que quelqu'un revienne mettre le câble, parce que dans tous les cas, il va revenir, c'est sûr. Une heure qu'on est là, les gars, on transpire. C'était chaud, hein. C'était très chaud. Très chaud. Et il n'y a personne qui vient, donc... Bon, mais de toute façon, on attend et on boit. Hein. Si j'attrape pas lui, c'est mort, je reviendrai, c'est sûr. Mal aux jambes et tout, de rester là. Bon, vas-y, reprends tes affaires, frérot. Vas-y, viens, on s'arrache. On a attendu pour les sarabes. Cache-toi. Il y a un mec, je sais pas si c'est lui. Ouais, il a le film de faire dans les mains. Ah, c'est lui. Putain, juste quand on a failli se tailler, frère. Juste quand on. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Attends, laisse-le attaché, mais c'est sûr que sur le micro. C'est un cul de rire, ça. Regarde, toujours au même endroit. Mais on fait quoi? On passe comme si de rien n'était, ou on fait directement sur lui? On juste en promène. On passe, on fait style qu'on sait pas ce qu'il fait, tu vois. Et on parle normal pour voir. On dit, oh, qu'est-ce que vous faites là, toi? Oui, ça va. Vas-y, viens, va, qu'il se taille. Oh, c'est bon aujourd'hui, il n'empêche. Ouais, en vrai. Oh putain, quel beau soleil. Ah, c'est à pourquoi vous mettez un câble là? Ah, tu campes ici? Putain, j'avais même pas vu le câble. Ah, tu passes pas pour mettre tes habits, gros? Ça sert à quoi, et le câble ici? Ah, beaucoup de jeunes ici qui passent en vélo, en moto, et moi ils habitent là. Et on n'en peut plus là. Viens s'il te plaît, frérot, viens. Moi je veux pas être filmé, moi. En vélo, en moto, je peux comprendre, ça fait du bruit, mais en vélo. Oui, mais nous on habite ici, on promène les chiens et tout ça. Attends, c'est une propriété privée. La question est, est-ce que c'est une propriété privée ici? En quelque sorte. Non. C'est privé ou pas? Non. C'est toi ici? Non. Donc là, t'es en train de me dire. Là, t'es en train de me dire à moi que là, t'es en train de mettre un câble pour que les gens ils se le prennent. C'est ça, hein? C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Ah bah, en plus, il a comme ça. Incroyable. En tout cas, ça va, tu es donc en fait, t'es en train de me dire que tu mets un câble
pour que les gens se le prennent et que après ils comprennent qu'il faut pas revenir ici. Et un mot, pas mieux peut-être? Non, ça marche pas. Ça marche pas, donc c'est mieux qu'ils se. Ouais. Pourquoi c'est ton parc ici? Oh frère, incroyable. Mais il habite du saut de ouais, c'est pas grave. J'entends les bruits de moteur, machin, non, c'est pas possible. Donc le mec, s'il se tranche la gorge, c'est pas grave. Non, ça ira pas jusque là. Que le fait que les gens fassent du bruit, ça mérite qu'ils se prennent un truc dans la gorge. Mais vous, ça vous fait quoi? Je comprends pas. Comment? Ça me fait quoi? Tout à l'heure, je passe un vélo, je failli me le prendre au moins au fou que tu es. Ça me fait quoi? Je croyais que vous filmez pour une promenade. Ne fais pas de promenade, c'est pas vrai. Ah, vous prenez pour un con. Voilà, comme toi, tu prends pour un con les gens quand tu mets un câble. Prends le vélo, vas-y. Non. Et pourquoi non? Mais je suis pas là pour ça, moi. Et tu es là pour quoi? Pour tuer des gens? Non, pas tuer des gens. Moi, je t'explique, on est suivi par beaucoup de gens sur internet. Ton visage, on le met, c'est fini. Donc, moi, je te conseille de la jouer tranquille. Tu prends le vélo et tu descends et on va voir ce que ça te fait. Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, sinon on te balance au flic. Parce qu'avec ça, frérot, tu sais ce que c'est ça? Tentative de meurtre, ça. Tentative d'homicide. Si, d'aller loin, vous. Comment? Mais t'es un fou. Il y a un petit, il passe. Admettons, il y a un minou, il passe. Il se le prend dans la gorge. Voilà. Tu lui casses là. Ou tu sais pas, tu l'ouvres. Donc, en fait, tu es encore en train de me dire que. Le bruit, ça justifie que les gens se blessent, se fassent mal. Eh, tiens, malade, vas-y, passe le vélo. Prends le vélo, tiens. Ah, il est en train de m'énerver, c'est un truc de fou. Ça, toi, tu montes la pente là, comme si tu faisais du vélo et tu vas te prendre le fil, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu as peur? Allez, vas-y, descends maintenant. Non. Descends. Vous êtes où? Moi, je vais pas descendre. Descends. On va au commissariat si tu descends pas, descends. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu as peur? Oui. Eh ouais, descends. Vas-y, vas-y, descends, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Mais. Ce mongolien. Eh ouais. Mais non, aussi, mais... Eh ouais, eh non. Frère, eh non. Tu sais que tu as la chance, tu tombes sur nous, tu tombes sur les flics, t'es... Mais tu rentres en prison direct. Vas-y, viens, Christian, viens. Il est énorme. Frérot, si tu viens pas, je te dis, je vais au commissariat avec les images maintenant, vas-y, viens. Frérot, je t'explique. Je vais prendre une corde, d'accord, on va t'attacher, on va te laisser là jusqu'à ce que ta femme, elle vienne. Hein? Mais elle est sourde. Eh ben, elle est sourde. Elle t'entendra pas crier, c'est dommage. C'est pour moi, ouais, pour mon fils. Ton fils. Il est pas sourd, lui. Non. Ah voilà, ben il t'entendra crier. Elle marche à peine. Mais c'est pas quel âge il a, ton fils? Il a 2 ans. Ah. Ben il y a ton oncle, ta tante, ta cousine, ta mère. Allez, sourd, mais toi tu es complètement con, par contre. Hein. Alors toi, pour la connerie, frérot, elle est. Alors les amis, là on a la corde. On peut en arriver là quand même. Ben c'est simple. Alors commissariat ou corde? Voilà, simple. Corde. Voilà, corde. Les amis. Nous on va l'attacher, vu que sur YouTube c'est interdit de montrer certains trucs. Rendez-vous sur Instagram maintenant, l'Instagram il s'affiche en bas. Et vous aurez la vidéo de quand on l'attache. Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même vous montrer sur YouTube une fois qu'il est attaché. Allez vas-y rentre. J'habite au moins, oui. Tu te rappelles? En haut là-bas. Toi tu vas passer sur 10 au moins toi. Oh frère, j'espère que toi tu vois bien pour comparer à ta femme, parce que là il va t'en falloir des. Elle n'entend pas, elle voit ma femme, elle voit. Mais tu m'as dit qu'elle avait 5 sur 10. Oui, mais c'est assez pour. Assez pour. Elle le ressent non? Toi par contre. Q8 t'as combien? T'as quoi ça? Vas-y, allez. Allez vas-y, on te regarde un peu frérot, vas-y. Allez. T'as du mal? Eh ouais, tu sais que. Si vous me voyez sa tête, je vous jure, il a les yeux au ciel et tout cas. C'est une horreur. Tu sais que maintenant je sais où tu habites. Oui. T'en es conscient. Oui, c'est qu'à tout moment, si tu recommences à tirer des câbles comme ça. Oui. Tu sais que je peux venir chez toi. Et balancer les images aux flics. Il y a plusieurs. On est mitoyens. Il y a plusieurs maisons. Je te reconnais, frère. Je te reconnais ta tête. Oui. Donc, je recommence. Oui. Je suis pas sûr qu'il ait compris les gars, je vous jure, je suis pas sûr qu'il ait compris. Si demain je revois encore des capturés, je vais porter plainte et les fils viennent chercher chez toi. Oui. T'as compris là? D'accord. T'as compris? Oui. Oui. T'as compris que tu risques la prison? Oui, un peu. Mais je le ferai pas. T'as envie d'aller en prison? Non. T'as envie qu'il vienne à la maison? Non. Non, mais allez, vas-y. Vas-y, on te laisse faire. On t'aide? Est-ce qu'on t'aide? Je sais pas ce qu'on lui fait là, on le laisse. Bah oui. Ah non. Non. Appelle ta femme qui est sourde. Appelle. Je manque pas des sourds les gars, mais c'est de la façon qu'il a dit. Appelle ta femme sourde malentendante. Comment s'appelle ta femme? Ici là. Mais là il appelle sa femme. Ça sert à rien. Appelle là, vas-y. Elle n'entend pas. Mais si elle entend les bruits de moto. Ça sert à rien, elle n'entend pas, il a dit. Bon, on s'arrache nous les gars, allez. C'est une corde. Joseph il dit. Désolé, mais c'est comme ça, il faut autrement, frérot. Bonne journée. Bon, allez, on s'en va. Il a réussi à se relever, gros. Il saute. Vas-y, filme-le en sautant. Il rentre chez lui dans les feuillages. On dirait un homme des cavernes. Joseph. Allez, j'en ai marre. Allez, viens, on s'arrache. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rajouter sur Instagram.
pour voir la vidéo de quand on l'attache. Et rajouter le frérot aussi. Oh, s'il te plaît, là. Et n'hésitez pas à rajouter le frérot sur Instagram aussi. Parce que bah, s'il n'était pas là, on n'aurait pas pu tourner cette vidéo. Merci à tous et je vous souhaite un très 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 bon... Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et faites attention quand vous sortez dans les bois faire du vélo en colline avec les amis, tout ça. Parce qu'il y a vraiment des gagas comme ça, vous l'avez vu en image, qui tirent des cordes et vous pouvez vous blesser. Donc faites attention à vous. Ciao. C'est bon, ça va mieux? Ouais.